résidence Griffule, c'est donc une résidence autonomie qui est gérée par la société philanthropique. On accompagne des personnes âgées autonomes, mais qui souhaitent un accompagnement au quotidien, que ce soit dans le cadre d'activités socialisantes, que ce soit parce qu'ils n'ont plus envie de préparer leur repas seuls, parce qu'ils n'ont plus envie de manger seuls, parce qu'ils veulent tisser des liens. Quand on accueille un nouveau résident, on essaye de l'accompagner dès le premier jour pour qu'il se sente bien et qu'il retrouve ses marques par la suite. En les présentant aux résidents, en lui expliquant aussi qu'il y a des animations. S'il veut participer, il n'est pas obligé de participer, mais c'est à lui de choisir, quoi. Ce que j'aime dans cette maison, c'est qu'elle propose des activités très diverses. Il y a de quoi s'occuper tous les jours. Il y a vraiment tout pour que la vie soit légère. Il y a des activités pour tous les goûts, en fonction de son temps, de ses forces, de ses désirs. Mais chacun est libre. C'est essentiel dans la maison. On peut être habillé comme on veut, personne ne fait de remarques désagréables. Donc, je trouve cette maison très libre. Ce qu'on souhaite ici, c'est que les personnes soient actrices de leur vie, puissent participer à la vie de la maison, proposer des activités. On essaye de faire varier le programme en fonction des souhaits aussi des uns et des autres. On forme une équipe soudée pour justement... Ça reste toujours dans une ambiance familiale. Comme une famille, quoi. Ça fait 20 ans et je m'attache, quoi, à cette maison, aux résidents. La gentillesse du personnel, ils sont adorables. Vraiment, on est servis comme des princes. C'est vraiment très, très agréable. Tout le personnel de la maison, de A à Z, est accueillant, ouvert. On peut toujours demander quelque chose, on a toujours une bonne réponse. Toujours, c'est le sourire aux lèvres que les dames répondent, vraiment. Les amoureux du Havre n'ont pas besoin de la mer. On est basé à Levallois, ce qui est une chance, et en plus on a l'avantage d'avoir un très beau parc. Alors la spécificité, c'est déjà le lieu, la nature, la verdure, les fleurs, et puis d'être réveillé le matin au son des oiseaux. Ce qui me frappe, c'est cette solidarité qui se manifeste. Il y a toujours quelqu'un pour aider quelqu'un d'autre. Chacun est concerné par la vie de tout le monde et à condition que l'on respecte aussi une zone de grande liberté, ce qui est le cas ici. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, on sera ravis de vous présenter la maison et l'équipe. On s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, n'en fais pas, mon amour, n'en fais pas.